Bonjour, je suis super content d'être ici avec vous ce soir en bas de l'amphi dans lequel j'ai fait mes classes. Et alors, quand j'étais étudiant et qu'on était content, on avait plusieurs moyens d'exprimer notre joie, et un des moyens, c'était d'utiliser les pupitres que vous avez devant vous. Alors j'aimerais réaliser un petit rêve ce soir que j'ai depuis quelques années avec vous, grâce à vous, là maintenant, c'est de savoir ce que ça fait quand on est en bas de l'amphi. Qu'on va se le faire, mais un petit peu plus finement que quand on était étudiant. On va se le faire par tiers de salle, et on va se le faire en gérant les volumes. Vous allez voir, ça va être très très simple. Vous êtes prêts? Après 4, mettez vos mains sur les pupitres. Allez-y, allez-y, allez-y tout le monde. Merci. 4, 3, 2, 1, on y va. Allez-y. Je suis d'autant plus heureux d'être là maintenant que j'ai réalisé un petit rêve et que du coup, je sais qu'on peut les réaliser. Merci à vous. Et je suis d'autant plus content d'être là qu'on vient de toucher du doigt tous ensemble quelque chose qui est extrêmement important pour nous les humains, la cohésion, le lien qui se tisse dans l'action de groupe, la connexion instantanée qu'on a eue là, accès, dans cette salle. Je parle de la connexion qui fonctionne quand il n'y a plus de batterie, plus de réseau, plus de Wi-Fi. Ça vous parle, hein, moi aussi, ça me parle. On a tous eu une galère de batterie dans notre Wi-Fi. On est rentré dans une société 2.0, post-révolution numérique. Cette révolution numérique qui mondialise toutes nos sociétés, qui digitalise les process, qui horizontalise l'information, et qui, combinée avec les nouvelles générations, les digital natives, entraîne des changements de paradigme profonds dans toutes les structures sociales. La famille, et aussi, là où on passe le plus clair de notre temps, au taf, dans les entreprises et dans les organisations publiques. La révolution numérique entraîne de facto une révolution managériale. Et ça se sent déjà. Hier, on parlait de carrière, aujourd'hui, on parle de slasher, on commence à en parler. Hier, on parlait de silos dans les entreprises, aujourd'hui, on parle de décloisonnement, de transverse. Hier, on parlait de chef, aujourd'hui, on parle de scrum master. Hier, on parlait de hiérarchie, et aujourd'hui, on commence à parler d'holacratie. Alors transverse, agile, scrum, holacratie, ça fait un peu flipper tout ça. En fait, tous ces concepts qui sont dans la révolution managériale recouvrent une seule et même idée clé, c'est que plus la technologie s'installe et prend en charge l'exécution des tâches silo, plus nous les humains, elle nous amène à travailler en relation les uns avec les autres. La révolution managériale est celle du développement des compétences relationnelles, de nos compétences relationnelles. Alors, développer les compétences relationnelles, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les humains, ce n'est pas des machines. Tous ceux qui gèrent des équipes vous le diront. On ne télécharge pas un plugin pour être à l'aise, prendre la parole en public dans un groupe de travail. On ne télécharge pas un plugin pour gérer ses émotions, en tirer parti. Qu'est-ce qu'on fait alors pour développer les compétences relationnelles ? Il y a un maître mot, il faut expérimenter pour développer ces compétences-là. On ne fait pas de la cohésion de groupe et on n'apprend pas à gérer son langage non-verbal en restant 4 jours assis devant un PowerPoint, si chiadé soit-il, et avec la prise de notes, si chiadé soit-elle. Il faut vivre une expérience. Vivre une expérience, clairement. Alors attention, je ne parle pas d'une expérience qui marque au fer rouge toute sa vie, hein, genre « Pcha ! Les filtres de la communication !» Non, je parle d'une petite expérience, cool, relax, un truc qui permet de faire tirer des petites conclusions à tout le monde, qui permet d'ouvrir les portes derrière lesquelles se trouvent les leviers qu'on va actionner. Alors un truc qui parle à tous, c'est bien, mais cette petite expérience, il faut qu'elle respecte 3 points. 1, il faut qu'elle soit simple, préhensible. 2, il faut qu'elle soit illustrative. Et 3, il faut qu'elle parle à tous. Alors un truc simple, illustratif et qui parle à tous, on en a un depuis la nuit des temps,
qu'on a largement occulté en Occident, c'est le rythme. Difficile à définir, le rythme, il nous parle à tous. C'est la première chose à laquelle on a accès avant notre naissance, encore bercée dans l'amniose maternelle. C'est aussi la dernière chose à laquelle on se réfère avant de s'envoler. Et entre les deux, il gère tout ce qui nous entoure et il gère tout ce que nous faisons. Nous vivons grâce au rythme des saisons, nous vivons grâce à notre rythme cardiaque, à notre rythme respiratoire, nous sommes soumis à nos rythmes circadiens. Mieux que ça, nous sommes sensibles au rythme d'un discours, nous observons un rythme de groupe pour pouvoir s'y adapter, nous travaillons à bon rythme, ou pas, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Le rythme est un levier puissant pour développer les compétences managériales, les compétences relationnelles. Pourquoi ? Parce qu'il est simple, il est maître dans l'illustration de choses très complexes comme la complémentarité des profils, ou comme le langage non-verbal, ou comme le leadership. Et pour autant, il parle à tous. Alors laissez-moi vous présenter deux de mes outils que j'utilise beaucoup dans mon travail de formateur. Le premier, c'est le Zenko. Vous l'avez entendu au début. Petit cocorico, c'est français. C'est très joli, j'adore ce truc. Le son est doux et entraînant, n'est-ce pas ? Un peu comme devrait l'être un bon esprit d'équipe, quoi. Et le deuxième, c'est une petite merveille de technologie moderne, tactile. Il fonctionne au toucher. Il répond à la nanoseconde. Il n'a pas son pareil pour matérialiser ce qu'est le rythme. À ce titre-là, il fédère, il permet d'échanger, il permet de communiquer. Alors,
Alors, maintenant que vous n'avez plus les mains vides et qu'on vous a montré un petit bout du chemin, c'est à votre tour d'expérimenter le rythme. On va le faire tous ensemble, bien entendu. Et on va commencer par vous présenter deux sons, le son sourd et le son clair. Le son sourd, pour ceux qui ont des djembés, il se fait avec la main au milieu de la peau. Posez votre main au milieu de la peau, tous ceux qui ont les djembés, allez-y, voilà. Pour ceux qui ont les shakers, la main va venir entourer le shaker complètement pour éviter que les billes taillées au millimètre résonnent contre le plastique trop, ok ? Une tape sur les djembés, un chic sur les shakers. Après 4. OK ? 1, 2, 3. Après 4. Ça veut dire en 5. OK ? On y va ? 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Alors, avant de passer à la deuxième frappe, deuxième son, le son clair, parce que je vous sens un peu tendu là, hein, on va bouger les épaules comme ça, tranquillement, allez-y, voilà. On va tendre les bras devant, on va bouger les mains comme ça. Non, pas les shakers s'il vous plaît, pas les shakers. Tout le monde, y compris ceux qui ont les shakers, mais sans les shakers. Ok, on va lever les bras, on va s'étirer un peu. Déjà, ça fait du bien, et puis en plus, c'est la meilleure manière de faire connaissance avec son voisin. On va retendre les bras, devant, ça fait mal aux avant-bras, là, ça chauffe un peu. Ok. La frappe claire, elle se fait sur les djembés, la main ouverte sur le bord de la peau. Ok, posez votre main, voilà. Pour les shakers, elle se fait... les doigts ouverts pour laisser résonner les billes. Ok ? Donc on essaye, après 4. Une frappe, tous ensemble. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'est top. Vous avez pu avoir, là maintenant, une petite expérience de ce que peut faire le rythme.
et je vous fais une toute confiance pour savoir quoi faire avec les petits fours. Merci beaucoup.